vous allez pouvoir les réaliser dans 4 classes de magie différentes. Pendant les vacances, Léonore et Maëlle sont venus récupérer leur grimoire à la bergerie nationale de Rambouillet. Ils ont jusqu'à 16h30 pour résoudre les énigmes. On a pris un thème qui s'appelle « C'est pas que sorcier » avec l'idée de faire un mix entre des choses qui peuvent sembler un peu magiques et des choses qu'on va expliquer de façon un peu scientifique. Il faut gratter le ballon avec de la laine pour voir en dessous mais s'il y a quelque chose, mais là il n'y a rien. En quelques minutes, le frère et la sœur maîtrisent le sort de lévitation. Ils parviennent à déchiffrer le code qui se cachait sous les feuilles d'aluminium. Après Onglon d'Or, direction Sabotard pour retrouver les caractéristiques des équidés magiques. Les porteurs de la mort. Les apprentis sorciers ont réussi à maîtriser le cheval noir. Il faut désormais regarder le plan pour se rendre dans les classes de Verdelais. Les vaches, c'est peut-être à la traite, c'est là-bas. Après les sortilèges et la théorie des animaux fantastiques, place aux potions. Un bon sorcier doit savoir reconnaître les composants. Merci à quoi ? Bah en fait, j'ai pas trop de goût. Une fois la liste des ingrédients trouvés, ils apprennent à maîtriser plume et encre invisible chez Serre de Coq. Avant de se rendre à la dernière épreuve, déchiffrer le secret de l'arbre. Il y a un E. E. Reste à se frayer un chemin, 500 participants ont tenté leur chance ce jour-là. C'est une très bonne activité ludique, ils se sont bien amusés, ils se sont bien pris au jeu. Et puis bon, bah là, c'est des sorciers, ils vont prendre le temps d'aller voir les animaux. Léonore et Maëlle n'ont plus qu'à se procurer robe de sorcier et baguette magique pour faire leur nouvelle rentrée dans le monde des sorciers.